强手，连杀三千，轻重啊八点零阴天，佛法光真言，没出呀硝烟。佛言法风莲，南无清凉地菩萨摩诃萨，南无清凉地菩萨摩诃萨，南无清凉地菩萨。摩诃萨婆萨，萨南无诃拉耽多那拉耶南无阿利耶婆卢伽帝娑婆拉耶图那多婆耶摩诃萨婆拉伐伊斯耽那耽伽南无悉吉。多依蒙阿利耶婆波多萨门萨阿陀他头苏盘阿斯因萨婆多那摩婆萨多那摩婆伽摩伐提头耽斯他唵阿婆悉卢伽帝伽卢帝依悉阿陀提萨多萨婆萨婆摩拉摩拉摩悉摩悉利陀。耶帝陀拉陀拉提利尼娑婆拉耶杰拉杰拉穆梵摩拉穆帝帝依悉依悉悉那悉那阿拉僧伏拉悉耶伏隆伏隆摩拉伏隆伏隆悉利娑拉娑拉悉利悉利娑隆娑菩提耶菩提耶菩提耶菩提耶尼帝利耶那拉君子帝利比尼。耶摩那娑婆诃悉陀耶娑婆诃摩诃悉陀耶娑婆诃悉陀耶揭谛波罗僧揭谛菩提萨摩诃摩诃波罗波罗蜜多摩诃波罗波罗蜜多摩诃波罗波罗蜜多南无多宝如来南无宝身如来南无妙色身如来南无广博身如来南无离不离依来，南无甘露王依来，南无阿弥陀依来，南无多宝依来，南无宝身依来，南无妙色身依来，南无广博身依来，南无离不离依来，南无甘露王依来。那尼帝尼阿拉帝毗尼尼帝摩诃伽帝尊林堪帝娑婆诃离婆离婆帝揭阿揭阿帝陀罗尼。拉帝毗尼尼帝摩诃伽帝尊林堪帝娑婆诃南无萨婆耽多耶多婆卢哲帝唵三菩拉三菩拉耶夫南无萨婆耽多耶多婆卢哲帝唵三菩拉三菩拉耶夫南无萨婆耽多耶多婆卢哲帝唵三菩拉三菩拉耶夫南无四龙陀耶耽多耶陀耶耽斯他唵四龙四龙巴拉四龙巴拉四龙娑婆诃南无四龙陀耶耽多耽斯他唵四龙四龙巴拉四龙巴拉四龙娑婆南无四龙陀耶耽多耶陀耶耽斯他唵四龙四龙巴拉四龙巴拉四龙娑婆诃唵耶耶南三婆婆玛尼拉佛唵耶耶南三婆婆玛尼拉佛唵耶耶南三婆婆玛尼拉佛念消三障诸烦恼念得自非自明了普念垂障尽消除，世世上行菩萨道。
On a 5 groupes qui font partie du Dragon Lion Dance Federation. Actuellement, on a 8 équipes qui peuvent participer. Donc, si tu as 7 équipes avec nous 5 pour participer, et tu peux faire trop beaucoup. Et tu peux prendre une journée nette pour faire une sélection et la finale. Donc, nous pas tu prends le temps. Donc, Dragon and Lion Dance Federation, ils décident pour regrouper d'autres, pour former une équipe. Une équipe qui peut participer et comme si nous laissons les autres participer en même temps. On choisit the best, juste 5 équipes, qui constituent de Attila, Golden Lion Circle, Konghua Lion Dance Group, Chinese Art Center et Ip Man Wing Chun. Actuellement, nous l'équipe nous a 25 Dimun. Nous avons un capitaine moi-même, une fille, et puis nous avons un rameur aussi qui est une petite fille. Donc nous avons un aviron et nous avons 20 Dimun qui peut ramer. L'entraînement, nous le faisons chaque samedi et dimanche. Quand nous nous regrouper, nous venons faire l'entraînement ici à Codan, dans l'eau. Et aussi, nous avons l'entraînement en dehors de Codan. Une séance de gym, séance physique, comme si, pour nous keep nous fit. Supporter vos équipes, Mauritius Taekwondo Federation couleur rouge, Dragon and Lion Dance Federation couleur bleue, National Coast Guard la couleur jaune et Mauritius Karate Yoshimon Association la couleur verte. Allez, la bleue! Une course très palpitante. La Mauritius Taekwondo Federation porte la couleur rouge, Dragon and Lion Dance Federation la couleur bleue,
National Coast Guard couleur jaune et Mauritius Karate Joshimon Association la couleur verte. Esquel Maurice nous a invités pour participer dans le Dragon Boat Festival du groupe en Chine. Et alors, participer dans le Dragon Boat Festival à Maurice, c'est une plateforme pour permettre nous d'entraîner et représenter Maurice en Chine. Et cette année-ci, nous avons fait deuxième position et nous sommes très fiers de nos performances. Notre équipe consiste de 24 personnes, dont 10 filles et 14 garçons. Alors là, c'est vraiment un travail d'équipe et soutenu qu'il fait. Et c'est vraiment un team spirit à la fin qui nous sortit gagnant. Après les heures de travail, à partir de 5 heures, nous avons fait l'entraînement physique et également et sur le bateau. Donc ça a été assez dur pour l'équipe, mais l'effort et le but final qui compte. Ça fait nous un très grand plaisir de participer et nous, Artan, gagne une bonne performance à l'année-là, encore mieux que l'année dernière. Et c'est parti pour cette deuxième course de la quatrième édition du Dragon Boat Festival 2019. Les participants à cette course, Esquel Group, couleur rouge, le Tianjin Normal University, qui nous vient directement de Chine, qui porte la couleur bleue, Chinese Wushu and Lion Dance Association, couleur jaune, et le Chongsan Society de Ville-Rodrigue qui porte la couleur verte. Je vous rappelle les équipes, le Esquel Group, couleur rouge, le Tianjin Normal University de Chine, couleur bleue, Chinese Wushu and Lion Dance Association, couleur jaune, et le Chongsan Society de Ville-Rodrigue, couleur verte. Dans quelques instants, nous saurons qui sont les équipes qualifiées pour la finale de ce Dragon Boat Festival 2019.
C'est le moment ou jamais de soutenir vos équipes. Est-ce qu'un groupe couleur rouge, Tianjin Normal University couleur bleue, Chinese Wushu Lion Dance Association couleur jaune, et le Chungsan Society qui remet son titre en jeu couleur vert. Là, c'est la quatrième année. Déjà, nous avons trois participations, 2017 et 2018. Nous avons eu la chance d'être champion. Et là, cette année-ci, 2019, nous venons défendre notre titre. Je connais pas facile même parce que cette année-ci, il y a un autre compétiteur, un nouveau compétiteur qui fait son entrée. C'est une équipe qui vient directement de Chine, une équipe universitaire qui est très forte. On a un bateau là-bas qui nous pratiquait parce que c'est un sport que synchronisation, c'est la clé. Tout rame bizarre rentre dans de l'eau ensemble, quand accéléré, quand ralenti aussi, tout bizarre ensemble, comme dire un seul écho. La semaine ou le week-end, bizarre levé depuis 4h, 5h du matin à cause de la marée, tout ça. Mais j'ai dû faire ce sacrifice, m'espérer que ça pour payer. Depuis le début, tout le temps, nous avons 3-4 éléments féminins dans l'équipe. Cette année-ci, il est pareil encore. Nous avons 3 éléments féminins quand même là, au bateau. Malgré que c'est un sport viril, un sport d'homme, nous avons montré qu'il y a une madame aussi, et dans notre place, si vous êtes capable. Et vu qu'il y a des années de suite, il y a une madame, 4-5 madames qui sont champions, ça a prouvé qu'il y a vraiment une madame aussi. Êtes dans votre place, êtes dans votre capacité, êtes capable de ramer. Et c'est parti pour cette finale de la 4e édition du Dragon Boat Festival 2019. En lice, pour cette finale, le Chungsan Society de l'île Rodrigue en rouge. Chinese Wushu and Lion Dance Association en bleu. Tianjin Normal University en jaune. Et la National Coast Guard en vert. Je vous rappelle une nouvelle fois que le Chungsan Society de l'île Rodrigue remet son titre en jeu. Leur 4e participation et ils ont déjà remporté pendant 2 années consécutives. Une course vraiment très, très palpitante. Dans quelques minutes, nous saurons qui est le grand gagnant de cette 14e édition du Dragon Boat Festival.
suivez actuellement la finale de cette 14e édition du Dragon Boat Festival. En lice, comme je vous l'ai dit pour cette finale, le Chungsan Society de l'île Rodrigue en rouge, le Chinese Wushu and Lion Dance Association en bleu, le Tianjin Normal University de Chine en jaune et la National Coast Guard en vert. Sans appel du Tianjin Normal University de Chine. Les résultats officiels de cette 14e édition du Dragon Boat Festival. En première position, le Tianjin Normal University avec un chrono de 3 minutes et 35 secondes. En deuxième position, la National Coast Guard, 3 minutes et 45 secondes. En troisième position, le Chungsan Society de l'île Rodrigue, 4 minutes 06 secondes. Et en quatrième position, le Chinese Wushu and Lion Dance Association, un chrono de 4 minutes 07 secondes. Alors, grand bravo pour cette équipe qui, pour la première fois, participe au Dragon Boat Festival, le Tianjin Normal University. J'invite maintenant l'ambassadeur de la République de Chine, M. Song Gongyi, à dire quelques mots. Toutes mes félicitations à tous les participants. Je vous remercie sincèrement de votre participation à cette activité. Aujourd'hui, vous êtes tous des héros. Merci. Félicitations encore une fois. Merci. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Le troisième prix gagnant, Chungsan Society de l'île Rodrigue. Troisième prix sera offert, outre les trophées et les médailles, il y a aussi un chèque de 10 000 roupies qui sera offert par M. Song Gongyi, ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice. En deuxième position, nous avons la National Coast Guard. Ce prix sera donné par Alain Wong, toujours en la présence de M. Mahmoud, Acting Lord Mayor. Bravo, bravo à la National Coast Guard. L'équipe gagnante de cette 14e édition du Dragon Boat Festival 2019 est le Tianjin Normal University. Le premier prix sera donné par l'honorable Pradeep Rupan. Army,
première année chez nous et ils ont raflé le premier prix. Encore une fois, toutes nos félicitations à ces équipes qui ont participé à cette 14e édition du Dragon Boat Festival.